Salut à tous, bienvenue sur Bad Pat Fitness. J'espère que vous allez bien les people. Ça va. Joyeux Halloween. Ça va. Donc, motivation de guerrier. Donc, les amis, en musculation, il faut avoir 90% de motivation et la force qui vous fait gagner les résultats et de rien lâcher. Plus vous allez continuer, plus vous allez vous entraîner et vous allez voir que vous allez avoir des résultats. Vous allez commencer par le A en bas de l'échelle et vous allez monter avec le Z en haut de l'échelle. C'est la souffrance qui paye. On n'a rien sans rien. Et surtout, avoir la force, la détermination. Et vous allez voir que tout ça, ça va venir comme une lettre à la poste. Les muscles vont venir comme une lettre à la poste. Avec des années, la force et les entraînements. Et surtout, si vous donnez de la motivation, que vous allez réussir. Et la détermination, c'est ce qui est plus important. Et vous allez voir que vous allez changer de physique en 1 an, 2 ans. Et surtout, c'est vous donner à 100% de réussite dans votre tête. Il ne faut pas dire, j'arrive pas. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est surtout quand vous allez vous dire dans votre tête, je vais réussir, mes capacités, je l'ai dans la tête et je vais finir comme ça. Et c'est tout. Tu dis, tu te tais, comme on dit, tu fermes ta gueule et surtout, travaille et tais-toi. Donc, suis ton programme dans ta tête et suis ta motivation, parce que tu la suis ta motivation. Quand tu te lèves, quand tu es devant la télé, un exemple, tu dis écoute, aujourd'hui je vais à la salle, c'est tu suis ta motivation. C'est tu suis le chemin de la musculation. Et surtout avec ça, et la détermination. La détermination, tu suis avec la motivation. Et la souffrance, tu transpires en suivant la motivation et ta détermination. Quand tu vas là, tu suis aussi le mode guerrier, c'est que tu vas te culbuter à la salle, c'est que tu vas pas lâcher le steak, c'est que tu vas croquer jusqu'à la dernière minute de la souffrance et surtout quand tu vas plus remonter, plus une seule rep, c'est que tu es défoncé, c'est que ta souffrance, tu dis alhamdoulilah. À la prochaine.